participer à une conférence de cette envergure est assez important pour moi parce que cela constitue une opportunité afin d'échanger les expériences sur la lutte contre les atteintes à la propriété intellectuelle. Parce que mon pays est touché par ce phénomène et donc venir ici, ça me permet de tirer des expériences des autres pays parce que j'ai rencontré beaucoup de participants et cela m'a permis d'étayer mon expérience et de voir aussi que ce phénomène est mondial et que de par les expériences qui ont été enseignées, cela permettra à mon pays d'en bénéficier afin de mieux coordonner la lutte contre justement ce phénomène-là dans mon pays. Alors, Interpol peut nous aider dans plusieurs domaines. D'ailleurs, je profite déjà de l'occasion pour remercier Interpol de nous avoir invité mon pays et nous sommes venus à 3 participants pour prendre part à cette conférence. Donc, merci à Interpol de nous avoir invités à cette importante conférence. Alors, Interpol peut contribuer à aider notre pays déjà en matière de formation parce qu'en matière de lutte contre les atteintes à la propriété intellectuelle, il est important de savoir détecter le phénomène et de pouvoir lutter justement contre ce phénomène-là. Et donc, nous avons besoin de cet appui technique-là, donc déjà en matière de formation. Et nous avons déjà eu une formation qui a été organisée par Interpol en 2011 dans mon pays, le Burkina Faso. Et nous pensons que cela doit se poursuivre. Et cela doit se poursuivre aussi à travers aussi les opérations de police pour lutter contre ce phénomène. Et je crois que Interpol peut nous aider dans ce sens. Bien évidemment que j'ai beaucoup été outillé sur plusieurs plans. Sur le plan juridique, j'ai pu voir un peu les législations qui prévalent dans le monde entier. Et également sur le plan justement des différentes stratégies qui sont utilisées par les différents pays pour lutter contre ce phénomène. Cela m'a permis aussi de tirer une expérience de cela. Et donc, cela est vraiment, a été très, très important pour moi d'être là. Et surtout, ça m'a permis aussi de tisser des relations, des partenariats. Et ces partenariats-là sont importants justement pour la suite parce que pour lutter contre le phénomène, il faut associer le secteur privé au secteur public. Et donc, il est important de pouvoir étoffer les différents partenariats afin d'être efficace. Oui, bien sûr, bien évidemment, nous avons pu coopérer et je pense que les résultats de cela sera très important dans la suite.